Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, vendredi 28 juillet 2017, on va parler, comme vous le voyez, de OpenSUSE. Et on va parler plus particulièrement d'OpenSUSE Leap, qui est disponible en version 42.3. Elle est sortie hier, en version 42.3. Donc si vous voulez installer OpenSUSE Leap, vous allez directement ici, et vous pouvez télécharger le lien direct. L'ISO, si ça marche pas parce que tous les miroirs ne sont pas encore synchronisés, vous pouvez prendre en BitTorrent ou choisir un miroir. Alors, on va parler de cette OpenSUSE et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder l'installation et comment ça se passe. Donc, je vais charger le CD et c'est parti, on lance le truc. Alors, oui, mais si tu te fous là. Alors, voilà, on va zapper ici. Dans français et on va essayer de mettre un mode vidéo un peu plus grand. Oh là là, attendez, parce que j'ai un chien qui est en train de faire des cabrioles sous mon bureau. Alors c'est un peu compliqué. Voilà, donc je lance l'installation. Voilà, je crois que visiblement il n'est pas d'accord pour que j'enregistre une vidéo, il a envie que je m'occupe de lui. Enfin bref, donc le CD se charge. Ah oui, le temps que ça démarre, on va voir un petit peu ce qu'il y a de beau dans cette OpenSUSE. Alors, ah oui, d'accord, ok, tu t'installes comme ça. Donc, dans OpenSUSE 42.3, on reste toujours avec une OpenSUSE. Donc, on a du kernel LTS en version 4.4, comme ça a été fait il y a un petit moment. Dans OpenSUSE, on a KDE 5.8 LTS, on a GNOME 3.20 LTS, enfin non, c'est pas du LTS, donc GNOME 3.20, je dis n'importe quoi, c'est 3.22 qui est LTS. Donc là, on va faire l'installation de la version 42.3. On retrouve les outils habituels d'OpenSUSE. Bon, voilà, je vais faire l'installation par défaut. Voilà. Donc, on a la licence, on sait. Bon, je vais demander d'être en 1920 par 1080. Du coup, là, c'est un petit peu petit. Ça m'éclate la cornée tellement c'est petit. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une cornée, c'est au niveau de l'œil. C'est pour ça que je dis c'est petit sur mon grand écran. Donc, ça fait mal aux yeux. Donc, comment il nous partitionne l'affaire? Il nous fait le swap au début, swap égale RAM. Il nous fait une racine en BTRFS et il nous fait une partition slash home en XFS. Et puis il nous crée toute une panoplie de sous-volumes là. BTRFS, bon bref, ok, suivant. Je vais laisser les options par défaut, sachant que là, le fuseau horaire, je le mets en français. L'environnement de bureau proposé par défaut par OpenSUSE, c'est KDE Plasma, on voit ici. Sinon, on peut l'installer avec GNOME, en serveur mode texte. Et on peut personnaliser. Donc, personnaliser, c'est GNOME, de base ou GNOME complet, KDE Plasma 5 ou environnement complet, XFCE et LXDE. On remarquera qu'on n'a pas Maté et on n'a pas Cinnamon, qui sont deux autres grands bureaux. En tout cas, pour Maté, moi je préfère Maté, eh ben on l'a pas là. Donc, on est un peu dans la merde. Si on veut mater. Donc là, je vais laisser l'environnement de bureau KDE Plasma. Là, je mets mon nom. Je mets le mot de passe qui va bien. Voilà. Pas de login automatique. Je veux utiliser un mot de passe admin différent. Oui. Donc, je mets le mot de passe. Je vérifie juste qu'on est en AZERTY, que les chiffres y marchent. Voilà. Donc, suivant. Donc là, hop, mot de passe du dictionnaire, bien sûr, avec des chiffres. Donc là, on a Grub qui s'installe, Grub 2, on n'a pas le choix, hein, c'est Grub 2. Emplacement choisi DevSDA2, racine. On peut changer l'emplacement. Donc là, si j'en crois le paramètre d'install, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'installe pas le code d'amorçage, donc on n'installe pas dans le MBR. Et on installe sur la partition racine. Et là, c'est pour ne pas installer. Là, c'est pour installer, et on voit bien qu'il choisit en SDA2. Mais pourtant, il va l'installer sur le MBR, donc j'ai pas compris. Là, donc il installe OpenSUSE 42.3, KDE Plasma, donc ça veut dire qu'il nous installe tout ça. 4 Go 7.
Cible système D par défaut. Alors, cible système D, en fait, c'est parce que c'est le run level, si vous voulez. Chez système D, on a multi-user target, c'est init 3, et on a graphical target, et ça, c'est init 5. Voilà. Et point target, bah ouais, cible système D, parce que c'est une target. Bon, c'est la traduction un peu bizarre, mais bon. Donc là, mode graphique. Système, voilà. Et puis, le pare-feu est activé et SSH bloqué. Donc, j'installe. On avait une vue tout à l'heure sur la possibilité d'installer un serveur. En fait, pourquoi OpenSUSE Lib 42.3? C'est parce qu'elle est basée sur le SP3 de la SUSE Linux Enterprise 12. Voilà, et le SP3 est sorti, donc ils publient OpenSUSE Lib 42.3 en parallèle. Honnêtement, je vais y revenir un petit peu plus tard. Je vois pas trop l'intérêt d'utiliser OpenSUSE en tant que distribution desktop. Mais je vois plus l'intérêt de l'utiliser comme distribution serveur, parce qu'à la limite, SUSE, c'est plutôt connu pour avoir une base serveur SUSE Entreprise Linux, avec du support, enfin un truc sérieux, un petit peu comme Red Hat. Mais là, la version OpenSUSE pour du bureau, bon, pourquoi pas, mais bon, je trouve ça pas vraiment utile. Enfin bref. Donc là, ce qu'on va faire, l'installation va se dérouler. Je vais mettre en pause l'enregistrement et puis je vais revenir en fait juste après, une fois que l'installation sera terminée, pour vous présenter la suite des opérations. Voilà. Donc l'installation touche à sa fin. Donc tout au long de l'installation, on a des petits écrans de bienvenue sur OpenSUSE avec l'explication de ce qu'on a de beau dans la distribution. Et donc, une fois que tous les paquets sont installés, bon bah il enregistre les paramètres, il crée les mots de passe et compagnie, enfin toutes les petites bricoles qu'un installateur fait toujours en fin d'installation, comme son nom l'indique. Donc voilà, installation du chargeur d'amorçage. Donc suspense, c'est ce qui va nous l'installer au bon endroit. Si on en croit l'outil d'installation, il est censé l'installer sur la partition racine et pas sur le MBR. Et on va voir que pourtant, je crois qu'il l'installe quand même sur le MBR. Alors ici, je ne suis pas en configuration UEFI. Hein. Donc bon, on ne sait pas trop comment ça se goupille. Voilà, donc le système va réamorcer maintenant. Donc, on fait OK. Et là, par défaut, le CD ne s'enlève pas. Donc on va enlever le CD. Merde. Périphérique. Donc. Hop, on va enlever le CD, voilà. Il a commencé à lire le CD au moment où. Voilà. Et donc on démarre OpenSUSE Lib 42.3. Donc finalement, Grub est quand même bien installé. Assez étrange, mais ça marche. Donc là, on va voir grosso modo la Logitech. Elle ne devrait pas changer par rapport à la vidéo. Enfin, ça ne doit pas beaucoup changer par rapport à la vidéo que j'avais fait de OpenSUSE 42.1. Il y a 1 an et demi, presque 2 ans. Donc là, on va arriver sur l'écran de connexion. Vu que j'ai désactivé, bien sûr, la connexion automatique, parce que je trouve pas ça très sécure, honnêtement, eh ben, on est obligé de mettre son nom d'utilisateur, donc, et son mot de passe. Et voilà. Et donc là, K2 Plasma 5 va se charger, donc il y en a pour un certain temps. Donc, KDE Plasma est chargé, magnifique, waouh waouh. Et donc, ce qu'on va faire, on va regarder rapidement en console combien mange l'ensemble au niveau de la configuration. Donc, htop, bon, il n'y a pas htop, d'accord. Donc, top, pas grave. Et donc, ici, on voit que c'est pas très net. Parce que là, le problème, c'est qu'on a SQUIZ et bon. Zipper install htop. Honnêtement, je trouve que top est pas terrible au niveau lisibilité. Je préfère htop. Regardez, c'est vite plié. En ligne de commande, c'est plus rapide que de lancer tout le bordel. Hein. Donc là, on est à 495. Allez, on est à 500 mégas utilisés.
voyez, avec top, faut les deviner, hein, les 500 mégas. Parce que ça correspond pas à ça, parce que là on a les buffers. Ça correspond pas à ça. Et il y a sans doute une manip dans top pour afficher ce qui va bien, mais je connais pas la commande. Donc, bref, voilà. Au pire, avec free-m, on a pourquoi pas le truc. Parce que là, on fait used-cached, hein, et ça fait 500 mégas, ok? Donc, ça, c'est OpenSUSE. Bon, elle est installée, elle est fonctionnelle, elle est en français, cool, rien à dire, super, lolilol. Je veux dire... Bon, ça marche. Après, on voit quand même que OpenSUSE est orienté serveur parce qu'on a le public HTML qui fait penser au dossier de la racine de au dossier de la racine d'Apache pour les utilisateurs. Vous savez, quand on a un site, monsite.com, petite tilde, petite vague là, et le nom d'utilisateur, en fait, ça pointe ici par défaut. Ah, alors par contre, là, on a le simple clic qui actionne les dossiers. Donc pour changer le simple clic et le double clic, c'est dans KDE, hein, en tout cas, c'est dans les paramétrages système. Vous allez dans tout en bas, périphérique d'entrée. J'ai bien, ouais, c'est bon, hein, ça enregistre bien la vidéo. Et donc là, vous allez dans souris et vous mettez double cliquer pour utiliser, pour ouvrir les fichiers, les dossiers. Voilà. Et donc là, maintenant, on clique une fois, hop, ça sélectionne. On clique deux fois, on rentre dedans. Au niveau du thème, tout est Breeze, c'est Breeze, Breeze, Breeze et Breeze. Alors, là, si on va dans apparence des applications, c'est Breeze. Décoration de fenêtre, Breeze. Style des applications GTK, Breeze, 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 tout est Breeze. Et l'apparence de l'espace de travail, ici. Donc, l'écran de connexion, c'est OpenSUSE. Le thème de bureau, en fait, c'est Breeze. Ici, c'est marqué OpenSUSE, mais entre Breeze et OpenSUSE, c'est la même chose. C'est juste le fond d'écran qui doit être livré par défaut, qui change. Le curseur, c'est Breeze, et l'écran de démarrage, c'est bon, OpenSUSE, ok. Donc, on a quelque chose de fonctionnel, pas trop lourd, c'est cool. Niveau kit logiciel, bon, on a quand même pas 36 000 trucs. On a LibreOffice, la suite bureautique, en version 5.3. C'était pas marqué dans les notes de version, mais il me semble que c'est bel et bien 5.3. On va vérifier ça tout de suite. Donc, et à propos de LibreOffice, 5.3, voilà, 5.3.3.2. Avec, je me répète, mais avec le retour de la transition, enfin pas de la transition, de l'animation ici. C'est vrai qu'elle nous a manqué trajectoire. Et le trajectoire à main levée. Puis où elle est là? Normalement, elle est de retour. Normalement. À moins que ce soit dans la 3.4, qu'après elle est encore, je sais pas, 5.3.4, bref, c'est pas grave. Bah, c'est une fonctionnalité qui a disparu depuis LibreOffice 5.2, c'est réimplémenté dans la 5.3. Mais je crois que c'est 5.3.4. Voilà, donc ça, c'est les logiciels. Pour la bureautique, on a LibreOffice, on a Kmail, on a 2-3 bricoles de KDE. Là, on a le configurer le système, gestionnaire d'impression. Donc, on a Cubes qui est préinstallé. Cubes qui est l'outil qui permet d'imprimer, hein, de gérer les impressions. Voilà, donc Cubes là. Donc, client web, simple, rapide, efficace. Donc on a Yast, j'y reviendrai juste après. Quelques outils de développement, de la traduction, l'éducation c'est sans doute Math. Ah non, KDE Marble. Graphisme, on a Hugin, le créateur de Panorama. Super logiciel. Scanlit pour numériser. Ocular, bon ok. GIMP. Donc je lance GIMP, c'est pour voir si le thème Breeze est appliqué et fonctionne. Donc là on voit que c'est le cas. Out of box, ça fonctionne. Donc bonne fenêtre unique. Donc là, El Gimpo, à propos d'El Gimpo, 2.8.18, voilà. Donc ça, voilà. Là, on a dans Internet Firefox, donc navigateur web Firefox, et les logiciels KDE, Kmail, Copet, Conversation, etc. Pour Firefox, je ne sais pas si je l'ai dit dans la présentation de la vidéo, c'est une version dite ESR qui est livrée par défaut. Donc, on a Firefox ESR en version 52.2, hein, la version LTS. On a une page toute sympa, là, alors, page de recherche. Donc, ça cherche avec Google. Bon, pourquoi pas. Après, si on veut changer le moteur de recherche, on fait comme ça. Hop.
et on met le moteur de recherche par défaut, celui qu'on a envie. Voilà. Et comme ça, on peut aller chercher tranquillement OpenSUSE. Hop. Et les bangs fonctionnent et on arrive directement sur Wikipédia. Wouhouhou. Voilà, donc ça, c'est Firefox. On a quelques jeux de cartes, qu'à Patience, qu'à Mine, qu'à Sudoku, qu'à Mahjong, qu'à Reversi. Multimédia, donc on retrouve Amarok, Dragon Player et K3B. K3B qui a récemment été porté, il faut l'avouer, en... Donc là, c'est normal, il n'y a pas de graveur. Il a récemment été porté en KDE Frameworks 5, hein, parce que avant, c'était encore du KDE 4. Hein. Donc ça, c'est très très récent pour K3B. Donc il est en Qt 5, génial. Par contre, voilà, ce qui fait tâche, c'est qu'on a encore Amarok, qui lui est en Qt 4. Clémentine que j'utilise en Qt 4 aussi. Bon voilà, si on voulait vraiment un logiciel Qt 5, on a Cantata, je crois. Bon, c'est pas grave, là on voit que c'est KDE 4.14.33. Voilà, pas encore été porté Qt 5. Donc il fait partie de la pile KDE 4. Dans le système, bon, on a les outils Arc pour numériser, pour compresser. Dolphin, gestionnaire de fichiers, on trouve le gestionnaire d'impression. Bon, htop, je l'ai installé. Installer, supprimer des logiciels, donc je vais revenir juste après. Console, K6Guard, bon ok. Yast, j'y reviens après. Là, je vais lancer le KDE Info Center. Comme ça, vous allez voir qu'on est bien sur OpenSUSE Lib 42.3. C'est le KDE Plasma 5.8.7, version LTS. Comme je disais en début de vidéo, KDE Framework 5.32, Qt 5.6 et le noyau c'est un 4.4.76, le tout en 64 bits. Et enfin les utilitaires, bon voilà, on a les outils classiques. On remarquera qu'on a Kate et non pas Cartwright comme éditeur de texte. Bon, moi j'aime pas Kate, je préfère Cartwright. Je préférais Cartwright quand j'étais sur KDE. Bon, alors là on a fait le tour. Ici, on voit que les notifications KDE sont parfaitement intégrées pour faire les mises à jour. Donc ça, c'est cool. On installe les mises à jour. Donc ici, on a OpenSUSE 2017, le numéro. Et ici, on a tout en dessous le nom du paquet concerné. Ici, SmartMon Tools, VirtualBox. Donc là, on peut installer les updates. Le temps que ça s'installe, je vais vous montrer le YAST. Donc le YAST, c'est le centre de contrôle de OpenSUSE. Donc ce centre de contrôle, il est assez intéressant parce que là, vous voyez, c'est en Qt. Et c'est bien, c'est beau, c'est du Qt. En fait, YAST, pour la petite histoire, c'est fabriqué avec libUI, YUI, qui est la lib YAST User Interface, qui est une librairie, enfin une bibliothèque qui a été faite par OpenSUSE et qui a l'avantage d'être assez sympa parce que là, on est sous KDE, la lib appelle des composants graphiques Qt. On est sous un environnement de bureau GTK, style Gnome, Mate, Cinnamon, ce que vous voulez. On aurait des composants GTK qui se chargeraient. Et quand on est en console, ici, tadam, comme ça, en console, eh bien, si vous lancez YAST, vu qu'il est fait avec libUI, eh bien là, automatiquement, quand on est dans un environnement console, il va lancer une interface ncurse. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on code pas trois fois le logiciel, on ne fait pas trois conditions différentes, c'est assez sympa. Et d'ailleurs, certains utilitaires commencent à utiliser cette libUI, comme le Mageia, l'outil de création USB de Mageia, d'ailleurs. Donc, c'est vrai que ce centre de contrôle d'OpenSUSE fait penser un peu à celui de Mageia. Bon, il fait redondance avec certaines choses de l'environnement de bureau. Mais à la limite, c'est bien pratique si on installe NXDE, par exemple, qui est un environnement de bureau un peu plus léger, ou XFCE, où du coup on n'a pas forcément tous les outils de personnalisation et de paramétrage de la distribution. L'avantage aussi de ça, c'est que si on installe OpenSUSE Lib en version serveur, enfin en profil serveur, eh ben on peut paramétrer en console son serveur rapidement avec une interface super sympa. Donc là, on voit quand même que c'est un peu orienté serveur parce qu'on a les parties virtualisation ici, hyperviseur et outils avec KVM ou Xen. Si je me sens de faire une vidéo, j'en ferai peut-être une là-dessus, parce que je sais pas comment ça marche, donc je découvrirai ça à l'occasion. On a des outils assez sympas comme Snapper, donc voilà aussi pourquoi on a du BTRFS sur la partition racine, c'est parce que l'outil Snapper s'appuie sur les snapshots que peut faire BTRFS.
Et donc là, si on clique ici, ben on va voir qu'on a la possibilité de revenir dans des états précédents. Voilà, on a divers snapshots. Donc dès qu'on va faire une mise à jour et compagnie. Donc si il y a un truc qui se passe mal, on peut revenir à l'état précédent. Bon, là on a tout ce qui est service réseau, ben, je vais faire dans l'ordre. On a la partie logicielle, on a la partie matérielle, donc on peut gérer les imprimantes, scanners, son, disposition du clavier, info sur le matos. La partie système, la partie réseau, la partie sécurité. Donc on retrouve AppArmor qui est le mécanisme de sécurité de Ubuntu. Là où Red Hat utilise SE Linux. Pare-feu, sécurité, bon voilà, gestion des groupes utilisateurs, sudo. Alors après, voilà, pourquoi je pense que OpenSUSE ça peut être bien pour du serveur, mais pour du desktop c'est un peu pourri. Selon moi, hein, c'est un avis personnel, bah parce que c'est ça ressemble à Mageia, vous voyez, avec le centre de contrôle, tout ça. Et comment dire, j'avais fait une vidéo sur OpenSUSE 42.1 en novembre 2015. Donc vous voyez, là on est à la point 3. Donc en gros, il faut faire une étape de mise à niveau. 42 points en 42.2, 42.2 en 42.3. En gros, on se tape ça tous les 9 mois. Donc c'est quasiment pareil que Mageia. Après, on a le même centre de contrôle. Voilà. Sur OpenSUSE, on a 10 000 binaires. Donc ça se passe comment? Si vous voulez faire les mises à jour, vous avez mise à jour en ligne ici, ou ça se passe en bas là. Non, pas là. Bah, l'outil il a disparu parce qu'on est peut-être à jour maintenant. Voilà, software update. Pour installer, désinstaller des logiciels, c'est ici. Et vous avez les dépôts de logiciels. Alors là, c'est là que j'aimais un peu la critique. Je trouve que c'est le bordel. Là, par exemple, vous voulez installer donc Clémentine. Vous allez chercher Clémentine. Ok, vous l'installez. Vous voulez désinstaller Amarok. Amarok. Vous prenez. Hop. Et on désinstalle Amarok. Voilà. Là, il nous propose. C'est ça qui est génial, de désinstaller les langues, hein, puisque visiblement, c'est... Ah bah tiens, interrompre. Vu qu'ici, il détecte que AmarokLang est associé au paquet, donc là c'est bien, on peut faire en plus du ménage dans les orphelins. Hop là, voilà, on désinstalle tout, on accepte. Là on accepte pour les codecs, boum, continuez. Donc vous allez voir, c'est quand même rapide. Le téléchargement, la suppression et l'installation. Bien. Maintenant, pourquoi je dis que c'est le bordel? Ça marche, hein, mais c'est le bordel. Parce que si vous voulez, par exemple, installer des logiciels un petit peu spécifiques. Par exemple, j'ai un logiciel que j'utilise couramment. Tiens, je vais regarder juste au passage s'il y a Steam là-dedans. Ouais, il y a Steam. Un logiciel que j'utilise couramment, c'est Mix. Qui permet de faire du DJ sous Linux. DJ broadcasting, on peut émettre, et puis bah, y a un mode auto DJ, donc c'est pas mal pour les soirées, tout ça, ça supporte le replay gain, enfin, c'est génial pour faire une ambiance de soirée, ça joue le truc tout seul. Bon, Mix n'est pas présent, donc en fait il existe des dépôts communautaires, et c'est là que ça devient le bordel, parce que je trouve que les dépôts c'est mal foutu. Donc ici on a 150 000 dépôts, on a... non OSS, donc ce que j'ai cru comprendre, c'est là-dedans qu'il y a des codecs et des trucs non libres. On a update non OSS, donc ça c'est les logiciels, ça c'est les mises à jour. Là on a le CD-ROM, il est désactivé. On a OSS, c'est les logiciels. Et on a update, c'est les mises à jour. Ensuite on a des trucs qui sont activés, on a bon, debug, source, machin, bon ça c'est pour les développeurs, pourquoi pas. Maintenant, il existe des dépôts communautaires, donc vous faites ajouter... Et là, soit vous ajoutez un dépôt à la main parce que vous trouvez une URL sur internet et vous ajoutez le truc. Bon. Soit vous allez dans les dépôts communautaires. Et donc là, les dépôts communautaires, j'ai l'impression que c'est une espèce de AUR d'Arch Linux sauce OpenSUSE ou éventuellement DNA, Copre pour Fedora ou PPA pour Ubuntu. Alors, je ne sais pas trop le niveau de fiabilité des logiciels qui sont là-dedans. Donc il y a Pacman qui contient beaucoup de choses. Voilà, Pacman Build Software Packages, donc ça permet d'installer rapidement et facilement des logiciels en plus qui sont pas voilà, qui sont pas dans la distribution. On a un dépôt pour les Nvidia pilotes.
On a un dépôt pour libre DVD SCSS pour lire les DVD chiffrés et protégés là. On a aussi les mises à jour non testées, donc ça doit être le dépôt update testing pour avoir les mises à jour avant tout le monde. Donc là je vais activer Pacman Repository et on va voir qu'en fait, enfin on va voir, oui, on fait confiance au dépôt et là on a beaucoup plus de logiciels à notre disposition, dont notamment notre ami Mix. Donc là, si je retourne dans installer et désinstaller des logiciels et que je cherche Mix, on va le trouver, voilà. Donc on a Mix ici. Everything you need to perform live DJ mixes. Mais le problème c'est qu'on a une version 2.0 Git. Pourtant la version 2.0 elle est sortie. On a la version 1.11 alpha, je sais pas quoi. Donc voyez, on a une version unstable. Donc on a trois versions différentes. Donc c'est un peu le bordel. Bon, on peut installer Mix, mais on va voir ce que ça donne. Donc là, il m'installe tout le bordel. Je vais pas appliquer. On a Audacity aussi, par exemple. Audacity, on va voir plusieurs logiciels, enfin plusieurs Audacity. Audacity, il est aussi bien dans le dépôt normal que dans le dépôt Pacman. Voilà. Vous voyez, on a des versions. Donc, on a la version 1.3, 2.1.3, là et celle-là. Sauf que, vu que celle-là a une révision plus importante. Quand on a les deux dépôts d'installer, il va prendre celle de Pacman Repository. Alors, quelle est la différence? Voilà, c'est un peu flou. Parce que du coup, si on ne sait pas, là on fait crack, installer, puis il l'installe depuis Pacman. Bon, ça marche peut-être, mais voilà, c'est un peu flou. Donc c'est un... Voilà. Et fut un temps, sur OpenSUSE, il y avait plus de dépôts que ça. Il y avait un dépôt KDE, il y avait un dépôt Mozilla, il y avait un dépôt ci, un dépôt ça. Il y avait quasiment un dépôt pour chacun des logiciels. Il y avait un dépôt KDE extra. C'est peut-être encore le cas. Hein. Il faut peut-être les installer manuellement, je sais pas. Je connais pas assez bien la distro, mais voilà. Mais globalement, ça fonctionne bien, quoi. On a tout en français. Bon, voilà. Après, j'accroche pas avec OpenSUSE. Je vois pas trop d'intérêt d'avoir une distribution comme ça dans le monde du desktop. Je pense que dans les commentaires, il y en a qui vont me dire « Oui, mais OpenSUSE, c'est quand même mieux que ci, que ça. » Bon, voilà. Après, pour moi, c'est plus orienté serveur. Un noyau 4.4, 4.4, c'est vieux. Donc, si vous avez des fonctionnalités récentes, je crois que les processeurs Intel Skylake, c'est compatible à partir de 4.9. Donc là, déjà, vous êtes mort. Vous pouvez pas installer OpenSUSE. Bon voilà, c'est un petit peu les logiciels sont un petit peu ils ont du mal à se mettre à jour, mais c'est pour une plus grande stabilité. Donc c'est pour ça que je pense qu'elle est mieux faite pour une utilisation serveur, même si j'utiliserais plutôt pour du serveur des versions dites LTS qui sont supportées 5 à 10 ans, telles Debian ou CentOS ou Red Hat. Voilà. Bon, là je vous montre quand même que les logiciels installés depuis ce dépôt tiers Pacman, il fonctionne, hein, si je vais dans multimédia, Audacity, ça fonctionne, normalement, voilà. Donc là par contre, problème, Audacity il n'est pas en français, donc on n'a pas le droit à Audacity en français, je pense que pour le mettre en français, installer. Supprimer des logiciels. Audacity. Il y avait peut-être le pack de langue. Voilà, il faut installer les langues à la main, à côté. Alors que pourtant, si on cherche Thunderbird, par exemple, certains paquets, on va cocher Mozilla Thunderbird. Alors ça me fait toujours rire, Mozilla Thunderbird avec des majuscules dans les noms de paquets. Et ben là, hop, il va prendre automatiquement les traductions. Bon. C'est bizarre, voilà. Donc le comportement est différent suivant les logiciels. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Et dans multimédia, donc Mix là, qui est en version alpha, bon bah ou en bêta, je sais pas quoi. Pourtant la version 2.0 est sortie. Et bah ça marche. Voilà. Ah bon. Voilà. Donc là, Thunderbird va être installé. Je vais vous montrer que finalement. Déjà, les translations, donc les traductions, ils récupèrent 57 mégas. Donc visiblement, ils récupèrent toutes les traductions.
Mais une fois qu'on l'a installé, bah, il est en français, quoi. Normalement. Voilà. Il est en français, sauf le calendrier Lightning. Voilà, c'est toujours pareil, hein, Lightning, il veut pas se mettre en français. Donc vous allez menu hamburger, module complémentaire, extension, vous virez Lightning, vous redémarrez. Thunderbird se recharge. Vous allez dans le catalogue, vous recherchez à nouveau Lightning. Donc light, non, comment on fait pour rechercher là? On peut pas rechercher là. Et on réinstalle Lightning et ça passe. Alors par contre, je sais pas comment on réinstalle. Voilà, voir tous peut-être. Ok. Lightning. Hop, vous réinstallez Lightning. Lightning. Voilà. Et on va fermer Thunderbird et on va le rouvrir et on va voir que c'est en français. Donc là, oui, effectivement, il nous a installé tous les packs de langues. Vu que le système est en français, il détecte parfaitement qu'on est en français. Là, on redémarre Thunderbird. Et magie, Lightning est en français. Pas besoin d'attendre que ce soit relancé parce que c'est évident, ce sera en français. Ah, c'est toujours le même problème. Il suffit de désinstaller, de réinstaller. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'éteins la OpenSUSE. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de OpenSUSE? Eh ben, c'est que c'est une distribution qui continue son petit bonhomme de chemin. Moi, personnellement, j'accroche pas. Les logiciels sont dans des versions stables. On a des logiciels connus, voilà. Il y a un dépôt qui s'appelle Pacman qui permet d'avoir des logiciels un peu supplémentaires, notamment multimédia. Maintenant, bon, voilà, centre de contrôle, c'est un petit plus. Notamment pour si on administre en tant que serveur. Bon, moi, on a quelque chose de plus simple que d'aller taper dans les fichiers de config. Maintenant, bon, voilà. L'intérêt d'OpenSUSE en tant que desktop, je vois pas. Pour serveur, pourquoi pas. Même si je privilégierais une version LTS. Enfin, long terme support, soit Debian Ubuntu serveur ou LTS ou Red Hat. Ou CentOS pour la version communautaire. Voilà, j'espère que cette vidéo qui s'est un peu éternisée vous a plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!